Une famille de 4 personnes, les parents et leurs enfants. Une jeune fille de 16 ans, Sandra, et leur garçon, Quentin, qui avait 17 ans. Les enfants avaient décidé de faire une blague à leurs parents pour le 1er avril. Les jeunes mettent au point leur fameuse blague. Sandra devait quitter la maison pour quelques heures, pour faire croire à son départ soudain. Quant à Quentin, il est censé dire à ses parents que sa sœur a disparu. Toute l'histoire se met en place en seulement quelques minutes. Les jeunes étaient tout excités de leur petit stratagème du 1er avril. Pour eux, celui-ci allait vraiment être inoubliable. Sandra commence à partir chez l'une de ses amies pour faire croire en son absence. Quentin, lui, pendant ce temps, joue aux jeux vidéo, attendant avec impatience le retour de ses parents. Une fois ceux-ci rentrés à la maison, il leur saute dessus en disant que Sandra avait littéralement disparu. Mais sur le coup, il ne voit pas le visage de ses parents qui sanglotait doucement. Sa mère prend son fils dans ses bras, tout en lui disant « Mon chéri, ta sœur n'a pas disparu. Enfin, pas comme tu l'entends, toi. » Les deux parents prennent Quentin dans leurs bras, tout en lui disant « Mon garçon, ta sœur a eu un accident. Elle s'est fait renverser par une voiture. » Le garçon, maintenant pris de panique, leur demande si c'est grave. Ceux-ci le regardent, les yeux remplis de larmes, en répondant « Oui, mon garçon, ta sœur est décédée. Nous sommes vraiment désolés, mon amour. » Tout en pleurant à chaudes larmes. Quentin s'effondre au sol, pleurant lui aussi à son tour. Mais le pauvre garçon ne peut y croire. Mais ses parents doivent retourner à la morgue. Quentin demande à venir avec eux. Et c'est seulement une fois sur place qu'il comprit que tout était fini. Effectivement, ce 1er avril restera inoubliable et gravé à jamais dans leur mémoire, ainsi que dans leur cœur, meurtri par la douleur.